Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est MP Yoto. Et aujourd'hui, regardez-moi ce beau bébé Golf 8 Air Performance. Il y a les Golf 8 Air et là, il y a les Golf 8 Air Performance. Donc là, tu vois, c'est un autre level. Magnifique couleur, bleu lapis, MP Yoto, on s'abonne sur YouTube. Donc on commence directement avec ces feux incroyables. Cette nouvelle signature lumineuse, comme vous pouvez le voir. Ce bandeau de LED là qui relie les deux feux. Bah c'est nouveau sur la Golf 8, la génération 7, on n'avait pas ça. Ce nouveau logo Air, voilà. Qu'on retrouve qui a été redessiné, bah le logo Volkswagen, hein, parce qu'on sait que c'est une Volkswagen, ça je pense que t'as compris. Alors au niveau de la calandre, ça n'a pas changé, hein, de la 7 à la 8, elle est un petit peu plus grosse, mais sinon ça reste le même esprit. Ce véhicule est un véhicule de location, 721 location, donc toutes les informations seront dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas à aller louer chez eux. Très très belle voiture en tout cas, ils ont le M135i et il y a du lourd qui va arriver par la suite. La magnifique plaque qui est tombée en direct. Ce véhicule fait 320 chevaux, donc c'est plutôt incroyable. La version précédente, entre 300 et 310 chevaux, phase 1, phase 2. On retrouve des magnifiques jantes, là sur le côté, en 19 pouces, avec l'étrier en bleu lapis, donc un rappel à la peinture de la voiture. Étrier percé, l'inscription R, au cas où tu n'aurais pas compris. Et ici, les rétros qui sont en noir brillant, donc ce qui est pas mal, c'est que ça fait un contraste. Bleu et noir, donc c'est plutôt pas mal. Les contours de porte, ils sont en noir, donc ça fait un très beau contraste comme vous pouvez le voir. Très 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 joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi ce que j'aime bien aussi c'est ces feux, hein. Regardez, IQ Light. On voit que c'est une 8R, c'est vraiment différent. Le dessin, il est totalement différent de la 7R, hein. Même l'arrière comme vous pouvez le voir, il est très 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 agressif. Regardez-moi ça. Ces feux, toujours IQ Light. Donc ça c'est sympa. Ce magnifique béquet, donc ça c'est sur la performance. Qu'est-ce qui différencie une 8R et une 8R performance? Déjà vous avez le béquet ici, propre à la performance. Les sorties Akrapovitch, donc ça je pense que ça fait vraiment la différence, même au niveau du bruit, ça doit être quelque chose de sympa. Et un mode de conduite supplémentaire, donc le mode spécial apparemment. Donc voilà, pour l'arrière, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas moi j'aime beaucoup l'arrière, avec ces magnifiques feux, cette nouvelle signature lumineuse. C'est vraiment le top du top. Ce magnifique diffuseur en noir brillant avec des petites lames ici. Franchement, je trouve ça vraiment très 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 sympa. Donc ça les amis, c'est d'origine, hein, avec la ligne Acra. Sympa les clignotants dynamiques. Rentrons à l'intérieur parce que là c'est vraiment intéressant. Donc là déjà quand on rentre à l'intérieur, l'esprit y est, l'esprit R y est comme vous pouvez le voir. Nouveau volant, je les trouve très très sympas avec des palettes en plastique. On a un bon maintien, voilà, là on n'a pas besoin de mettre des extensions de palettes, hein. Ça reste assez épuré, logo R, donc tout ça c'est tactile, hein. Ça c'est tactile. Là ici on va pouvoir sélectionner notre mode de conduite, donc sur cet écran de 10 pouces, plutôt intéressant. Donc voilà, on a pas mal de modes de conduite, hein, confort, sport, race, drift et individuel. Donc vous devez vous poser la question, pourquoi nous avons un mode drift? Eh bien, c'est tout simplement parce que cette voiture est une 4 roues motrices, mais 4 roues motrices désactivables. Virtual cockpit, hein, comme vous le connaissez maintenant, on a différentes vues, ça c'est vraiment intéressant. Quand on change les modes de conduite, ça change avec. Donc voilà, ça c'est le mode race. Franchement, j'aime beaucoup avec les tours minutes là qui vont jusqu'à 8000, c'est vraiment sympa. On y retrouve une boîte DSG7, donc la DSG7 réputée pour être vraiment pas mal, double embrayage. Donc voilà, avec ce petit pommeau mignon, donc voilà, DNR. On retrouve les sièges baquets, donc je me trouve vraiment bien dans ces sièges baquets. L'estampillage R en bleu, voilà, donc ça va, on est vraiment bien maintenu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans l'esprit R. Tout est bleu, voilà, tout est... Là, ils ont vraiment différencié entre R et 8 GTI au niveau de l'intérieur, voilà, ça reste assez différent. Voilà les amis, donc Virtual Cockpit, vraiment très intéressant. Ici, l'écran de 10 pouces, ça vibre quand t'appuies dessus. Donc là, on va se mettre directement dans le mode de conduite le plus intéressant. Spécial, spécial, c'est pour circuit. Ça pousse, hein.
petit retour dont je vous parlais. Elle donne des à-coups, dès que tu accélères, bim. Tu vois, tu sens qu'elle en veut. On sent vraiment les 300 chevaux. Donc là, je suis dans le mode spécial, mais tu as un mode aussi drift. Donc mode drift, donc tu peux drifter avec la voiture. Sur ce type de véhicule, c'est assez surprenant de voir ça, mais tu peux quand même le faire, donc pourquoi pas. Mais c'est une voiture de ligne droite, tu vois. C'est pas une voiture avec laquelle tu aurais envie de drifter. Mais après, tu peux toujours. Hein. Mais ils disent un mode drift, mais c'est quand même typé 4 roues, quoi. Donc voilà. Alors, pour ce qui est du moteur, on retrouve un 2 litres TSI qu'on retrouve sur finalement la Audi S3. Donc là, il est poussé à 320 chevaux, 400 Nm de couple. Donc on n'a aucune inscription. Franchement, c'est assez bizarre. Donc voilà, 4 cylindres, hein. 1, 2, 3, 4. Donc voilà quoi. Ça reste assez simpliste, mais performant, donc c'est le principal. Les amis, c'est parti. Dur, hein. Donc ça c'est dans les modes sport, mais sinon quand t'es en mode confort c'est assez souple. Voilà, tu peux rouler tous les jours avec, mais avec cette couleur incroyable, tu vois, c'est vraiment très visible. Je vais mettre en mode confort pour voir ce que ça donne. Voilà, là on est en mode confort, on n'entend plus rien. T'as envie de dire à la voiture, conduis-moi. Voilà, très très souple comme je le disais. Moi ce que j'aime bien aussi c'est les palettes là, ces palettes comme ça. Franchement je crois qu'ils ont compris qu'ils faisaient des trop petites palettes sur la 7 et sur même les GTI, enfin tout ce qui est Golf 7. Et là bah, t'as pas besoin de mettre des extensions de palettes, donc ça c'est une bonne chose, tu vois. Je peux aller faire mes courses que je veux, et quand je suis un peu trop énervé ou que j'ai des enfants et que je veux aller envoyer. Elle charge trop bien les gars. Non, j'aime bien cette voiture. Wow. Bonne suspension. Et retour à l'échappement. Donc au niveau de l'intérieur, franchement, moi je suis très content parce que le travail il a été fait, le nouveau volant il est vraiment sympa. Le petit logo Volkswagen en relief, on peut même se voir dedans. Ici on a l'inscription R, on a des surpiqûres roues, des surpiqûres bleues. Donc voilà, franchement au niveau de l'habitacle on est au top. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt. Moi je m'arrache. Salut tout le monde.